Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, c'est cette émission dans laquelle on discute de l'actualité, on en débat aussi. Et aujourd'hui, on a un sommaire absolument chargé, puisqu'on reviendra évidemment sur les élections départementales. On tirera les conséquences de ces élections départementales. Peut-être aussi, on en parlera de manière prospective, qu'est-ce que ça annonce pour le futur. On verra aussi, il y a eu l'élection des présidents. On verra que malgré la parité qui avait lieu dans les élections, il y a quand même peu de femmes qui sont présidente de département. On parlera aussi des propos de Jean-Marie Le Pen, qui réitère ses propos qui avaient été condamnés sur la Deuxième Guerre mondiale notamment, et donc sur sa stratégie vis-à-vis du Front national et vis-à-vis de sa fille qui préside le mouvement. On parlera aussi de la grève à Radio France qui se poursuit et de la situation de son PDG, Mathieu Gallet. Est-ce qu'il va pouvoir rester en place? Et puis un sujet très intéressant, qu'on appelle un peu l'ubérisation de la société. Vous connaissez la firme Uber qui fait des taxis à la place des taxis. Il y a aussi Booking.com qui essaye de se mettre à la place des hôteliers. On en parlera notamment avec Jean-Luc Madec. Donc, un sommaire très chargé. Et pour en parler, Stéphane Monson. Bonjour, vous êtes professeur à l'université de droit de Versailles-Saint-Quentin, doyen honoraire de cette même université, de cette même faculté de droit, pardon. Florence Percalet-Choquet, vous êtes avocate au barreau de Versailles. On parlera aussi d'un petit fait divers intéressant. C'est un homme qui a détruit son bracelet électronique et ça n'est pas considéré comme une évasion. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. Jean-Luc Madec. Jean-Patrice. Ça va, vous êtes au taquet parce qu'on va parler totalement de vos amis de Booking.com. Etc. Etc. Et il y en a d'autres, oui. Oh là d'autres là. Sites. Et puis, un nouveau qui est Vincent Lameau. C'est moi, bonjour. Voilà, c'est vous. Vous êtes étudiant à 3e, en 3e année. C'est ça, journalisme, section. Journalisme, donc vous êtes un futur journaliste. J'espère. Et nous espérons aussi. Et bien, vous pourrez prendre exemple sur quelqu'un qui a été journaliste, qui ne l'est plus. C'est Jean-Charles Lajoie, qui était éditeur. Voilà, il a changé de casquette. J'ai changé de casquette, ouais. Voilà. Mais ça, c'est aussi, vous êtes toujours dans l'écrit. Voilà, oui. Puis je n'ai pas renoncé définitivement au journalisme non plus. Absolument. Alors, peut-être, j'aimerais bien peut-être commencer par la grève à Radio France et cette situation assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a un PDG qui s'appelle Mathieu Gallet, qui a été nommé par le CSA, qui est une instance indépendante, qui n'était pas le candidat du pouvoir, puisqu'il avait été auparavant au cabinet notamment de Frédéric Mitterrand, donc quelqu'un qui était classé plutôt à droite. Il y a une grève de Radio France. Il y a une attitude du gouvernement à son égard qui est assez forte. Par exemple, la ministre dit « j'ai convoqué le président de Radio France », qui ne se fait pas généralement. Comment vous analysez cette grève et justement ses conséquences sur la présidence sur le président de Radio France et sur le fait que la question se pose, est-ce qu'il va pouvoir ou non se maintenir ? Mais déjà, on en est, je crois, au 16e ou 15e ou 16e jour oui, de grève. Oui, c'est une grosse grève. Voilà, c'est une des plus grosses grèves de la maison de absolument Barabou. Gigantesque. Et en fait, toutes les antennes sont paralysées par moins de 10% de grévistes. C'est-à-dire que bon, ça, déjà, c'est un truc totalement aberrant. 10% d'une boîte de 4500 salariés puissent mettre à genoux toutes les antennes du service public. En plus, mais moi, j'ai été longtemps à Radio France, à France Inter. Il suffisait qu'il y ait une personne qui se déclare gréviste pour que une émission ne puisse pas avoir lieu. Voilà, mais c'est un véritable scandale. Enfin, là, il devrait y avoir quand même une sorte de... comme pour les transports publics, enfin, il y a un service minimum obligatoire. Et là, il y a la musique. Oui, mais enfin, c'est très cher payé sur France Info, sur France Culture, sur France Inter. On entend de la musique, c'est très bien, mais enfin, c'est pitoyable. En plus, en pleine période électorale, où je veux dire, il y a un véritable manque. Et je veux dire, on a l'impression que tout ça va durer. Enfin, là, c'est annoncé. Maintenant, il n'y a même pas de discussion. Enfin, c'est pendant 5 jours encore. Enfin, c'est totalement dément. Après, la situation du président, c'est vrai que, je veux dire, le gouvernement, ils se conduisent pire que ce que jamais un ministre sarkozyste aurait osé faire. Est-ce qu'on imagine si un ministre de la Culture de Sarkozy avait osé convoquer un patron du service public? Mais ça serait la révolution. Alors que là, bon, c'est Fleur Pellin. Hein, bon, elle n'a pas le temps de lire, mais elle a le temps de convoquer. Bon, bah, je veux dire, elle convoque. Mais c'est scandaleux. Vincent? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de lynchage médiatique contre Mathieu Gallet, un petit peu. Hein. En même temps, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'est médiatique ou est-ce que c'est politique? Il y a un peu des deux, mais quand on regarde le canard enchaîné qui balance, il a porté plainte. Oui, fait son métier de canard enchaîné en même temps. Bien sûr, mais je sens quand même comme une fixette sur Mathieu Gallet qui peut-être n'est pas légitime, il est un peu jeune. Quels ont été les choix? Vous condamnez les gens? Non, mais. Non, pas du tout. C'est bien la jeunesse, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi de l'expérience? Il était à l'INA, mais.
Est-ce que c'est formateur? Oui, il était dans l'INA, il était dans des cabinets ministériels. Ouais, ça bouge quand même beaucoup moins que Il a été choisi sur un projet, visiblement, qu'a apprécié le CSA. Jean-Luc? C'est Ubu. C'est Ubu, le monde d'Ubu payé par les deniers publics. Je crois qu'on se fout du monde. Tant pis pour eux, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de régler leurs problèmes, eh bien, place aux radios libres, aux radios privées, il y en a plein. Donc, eh ben, voilà, désolé pour France Inter et le reste. Il n'y a pas que les radios, il y a aussi les orchestres, il y a aussi bien sûr. France 2 a été en grève pendant près d'un mois. On n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant la grève a été particulièrement dure, mais encore une fois, c'est le monde d'Ubu, et c'est payé par les deniers publics. Si je puis me permettre juste une chose, il y a beaucoup moins de différence entre France 2 et TF1 qu'entre France Inter, Europe 1 et RTL. Donc il y a une véritable spécificité du service public à la radio. Il y a un service public, oui. Voilà, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc une grève à la télévision, c'est pas très grave. Parce qu'il n'y a pas de pub. France 2, à moi. Oui, mais on voit à peine la différence. On voit à peine la différence avec une autre chaîne. Florence? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on a une chasse à l'homme qui a été engagée probablement par certains syndicats, par le gouvernement. Je suis assez d'accord qu'il y ait un espèce de mixte syndicalisme et politique dans cette histoire, que Mathieu Gallet n'était pas le candidat du gouvernement. Et je trouve que c'est particulièrement dommage, parce que Radio France est dans une situation financière quand même assez catastrophique. Il avait un plan de restructuration. Mais finalement, vu de l'extérieur, on ne sait pas très bien pourquoi ils font grève. S'ils font grève parce qu'il a fait 120 000 euros de dépenses dans son bureau, ou si c'est parce qu'ils sont contre. Ou si c'est parce que vraiment, ils sont contre les mesures de... Enfin, il y a une espèce de mélange. Non, il y a plus de budget. C'est une réalité. Oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, une espèce de mixte politique-syndicale, pas très claire. Oui, qui arrange un peu et les syndicats et c'est politiques. Vraiment dommage d'avoir Radio France, effectivement, en silence radio, avec de la musique, mais enfin, depuis 15 jours. Je pense que les journalistes qui ont envie de travailler doivent être très frustrés de ne pas avoir pu participer aux commentaires de ces élections départementales. Un grand nombre d'auditeurs sont probablement... Ce sont presque que des techniciens, plus qu'ils font grève. Oui. Les journalistes ont fait grève hier, je crois, ou avant-hier. Non, Stéphane Manson. Oui, parce qu'il y a quand même aussi le truc creux. Ils ne veulent pas que vous parliez. Donc. Non, mais c'est. je parle trop. Non, je vais être très bref. Non, mais c'est juste l'attitude de la Cour des comptes. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en pleine grève, en plein conflit, ils rajoutent de l'huile sur le feu. Ils disent tiens, au fait, coucou, nous, on va vous dire, il faut mixer les trois rédactions. Ce qui fait qu'effectivement, comme le dit très justement Vincent, les journalistes qui n'étaient pas en grève se mettent en grève. Donc, merci la Cour des comptes. Enfin, là, on peut vraiment penser. Il y a une véritable cabale, parce que c'est la première fois que la Cour des comptes se mêle d'un conflit comme ça. Je sais pas ce qu'on pense. Notre éminent professeur de droit, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Je ne sais pas. Mais... Ça, l'éminent professeur de droit, enfin, de point de vue juridique, on n'en pense pas grand-chose. Mais moi, en tant qu'usager, puisqu'on parle du service public, de Radio France, moi je trouve le temps long, parce que la radio de qualité sans publicité, moi j'aime bien, notamment le matin, et je suis un auditeur assez fidèle spécifiquement de deux chaînes de Radio France. Alors Mathieu Gallet a peut-être un peu donné des bâtons pour se faire battre aussi. Oui. Les deniers publics, oui, c'est 23 euros par an et par foyer fiscal. Grosso modo, je trouve que ça les vaut. 2 euros par mois par foyer fiscal pour avoir un pool de chaînes de radio de service public, plus, alors vous l'avez dit, des orchestres, etc. Alors oui, c'est du luxe. C'est du luxe. Très bien. Oui. Mais partant de là, tout ce qui est culturel, c'est du luxe. À quoi sert la culture? Oui, vous connaissez la question. Mm-hmm. À quoi sert l'amour? À quoi sert la beauté? Fondamentalement, à rien, mais c'est ce qui nous fait vivre. Bon, donc, moi, ce qui me choque, en revanche... alors, oui, il y a peut-être toujours cette espèce de mauvaises habitudes au RTF, quoi. Voilà, ministère de l'information qui n'existe plus. On sait que le pouvoir politique devrait être un peu plus habile pour régler ses relations vis-à-vis de l'audiovisuel. Peu à peu, on y vient. Mais alors, moi, ce qui me choque, c'est quand j'entends ou quand je lis que Sarkozy, lui, en tire la conclusion suivante, c'est qu'il faut revenir à l'ancien système, c'est-à-dire le président de la République va nommer directement, parce que, soi-disant, avant, c'était totalement hypocrite. Donc, plutôt que de soigner le malade, eh bien, on va le tuer. Et comme ça, tout ira mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas, alors, quand même, de la part du pouvoir, l'envie de reprendre la main? C'est-à-dire qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, le mois de mai, la nomination du nouveau président de France Télévisions. Est-ce que c'est pas une façon pour le gouvernement de dire au CSA, ce coup-ci, ne faites pas un coup en douce en nommant quelqu'un qui n'est pas le candidat du pouvoir? Moi, je trouve qu'il y a, enfin, assez largement, sans doute de la part du gouvernement ou des gouvernants, d'énormes fantasmes. Mais qu'est-ce qu'on imagine? Est-ce qu'on imagine que parce qu'on va placer à la tête
de ces organes de presse énormes, oui, avec des journalistes qui quand même sont formés, obéissent à une déontologie, enfin je crois que c'est assez fort la déontologie journalistique, et que comme ça toutes ces équipes vont avoir le doigt sur la couture du pantalon et livrer ce que un pseudo ministère de l'information leur aura dit de dire. Ouais. Mais c'est un vieux fantasme qui date depuis Verfitte et qui n'est pas les politiques, je crois. Oui. Ce qui est très troublant, c'est qu'en plus à France Inter, c'est vraiment une radio de gauche. Donc le gouvernement devrait être ravi. Je veux dire, tous les matins, c'est la bonne parole du Parti socialiste qui est délivrée avec beaucoup de talent. C'est peut-être ça qui gêne. Oui, mais c'est incroyable qu'un gouvernement se tire une balle dans le pied. Ils seront jamais mieux servis que par les gens qui bossent en ce moment. Donc il faut mieux les soutenir. Enfin, c'est pas la première balle qu'ils se tirent, ils ont bientôt plus de pied. Est-ce que vous allez vers les radios privées maintenant que... Les services publics. Alors, vous savez qu'il y a une chose assez étrange. Autant en télévision, les gens zappent facilement, autant en radio, les gens ont des habitudes. Et les habitudes se changent très, très lentement. On verra ce que vont donner les prochaines audiences. C'est pas sûr que Radio France perde énormément à cause de la grève. Ça peut avoir des conséquences à plus long terme. Peut-être pas dans la prochaine vague d'audience, mais enfin, on le verra à ce moment-là. Pour répondre à votre question, moi, j'ai essayé de zapper, effectivement, sur RTL, sur Europe 1, mais j'ai fui parce qu'il y a de la pub. C'est la pub, c'est insupportable, quoi. Et donc, je suis une fidèle auditrice depuis des années de certaines chaînes de Radio France. Et là, il y a une très bonne musique. Il y a de la bonne musique. Mais je suis frustrée de commentaires politiques, du coup, vous de réflexions. Pas du tout, non plus. Les journaux ? Ah, je lis les journaux, oui, je lis les journaux, mais je ne retrouve pas l'équivalent de ce que j'avais sur France Inter, sur France Culture. Et en plus, sur le téléphone. On passe aux élections départementales, on a fini sur ce sujet. On va peut-être commencer par l'analyse des résultats. Victoire de la droite, c'est indéniable. Mais de quelle droite ? Est-ce que c'est la droite dure ? Est-ce que c'est la droite qui s'allie avec le centre ? Est-ce qu'au fond, c'est une victoire de Sarkozy parce qu'il est président de l'UMP ? Mais est-ce que ce n'est pas une victoire de la ligne Juppé ? C'est une question. C'est un peu saugrenu comme question. Non, mais première fois que j'entends une chose pareille. Ce qui est gagné, c'est quand même l'union de la droite et du centre, non ? Bah, pas vraiment. Enfin, c'est une victoire de la droite, c'est une victoire de l'UMP, clair et net. Je veux dire, le Front National a fait un score. Ouais, d'accord. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté. Je veux dire, je ne sais plus quel dessinateur humoristique, c'était dans Le Monde hier, je ne sais pas quoi, il disait, mais c'est clair et net, les gens veulent plus de gauche, donc ils ont voté à droite. Non, mais c'est indégénérable. Voilà. Ouais. Bon, là, c'est clair et net, les gens ont voté pour un... On ne peut pas vraiment parler de programme, hélas, à droite encore, mais enfin bon, pour un espoir d'un jour un programme, ils ont voté pour une droite normale, probablement décomplexée, et c'est très bien. Et voilà, ils ont refusé de voter à gauche, ils votent à droite. Mais il n'y a pas de mélange à faire avec une droite dure. La droite dure, la droite extrême, c'est Front National, c'est clair. Enfin, c'est-à-dire que dans tous les départements, beaucoup de départements, c'était une alliance UMP, oui, UDI, MoDem. Oui, mais oui. Donc l'alliance de la droite et du centre. C'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas une victoire de la ligne Juppé, puisque c'est ce qu'il propose, lui. Oui. Il aurait été probablement préférable que le centre soit mieux marqué. Il n'a jamais réussi à l'être, hélas, et pourtant, Dieu sait, c'est depuis les années 70, on a tout essayé pour faire exister un centre dans ce pays. Il est clair que si le centre avait été respecté comme tel, nous n'aurions pas vu une telle émergence du Front National, parce que la droite serait restée la droite, la gauche, et le centre aurait existé. Il est évident qu'aujourd'hui, l'écrasement du centre par la droite traditionnelle a laissé émerger le Front National. C'est une observation qu'on fait depuis maintenant pratiquement 40 ans et personne n'a réussi à résoudre le problème. La seule personnalité émergente était François Bayrou qui a fait plutôt de bons résultats en 2007 qui n'ont pas été confirmés en 2012. C'est dommageable. Et puis il se trouve aussi que nous avons fait une promotion absolument incroyable pour la famille Le Pen. On va parler de la famille Le Pen. C'est aujourd'hui une marque. C'est aujourd'hui une véritable marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de Front National ou d'extrême droite. On parle de la famille Le Pen. C'est devenu une marque. Mais sur la victoire de la victoire de la droite républicaine pour l'instant, Florence, par exemple, vous l'analysez comment ? Oui, mais
plutôt tendance à penser que c'est plutôt la ligne Juppé qui aurait, enfin de mon point de vue, hein, qui serait plutôt gagnante dans cette opération, même si Juppé va attendre un peu. Mais on a Nicolas Sarkozy sur entre deux tours qui a quand même fait droite forte avec le problème des, oui, des voilà, cantines. Des cantines, etc. Donc il est allé essayer de grignoter sur l'extrême droite. Et puis de l'autre côté, avec un centre un peu droite normale, entre guillemets. Donc je ne sais pas si cette espèce d'union un peu factice, mais un peu comme à gauche, hein, qui n'a pas marché d'ailleurs, mais cette union va forcément, à un moment ou à un autre, va se fissurer, parce qu'ils ne vont pas réussir à continuer à s'entendre entre eux. Moi, je suis très partagé, parce que les résultats, de ce point de vue-là, moi, me semblent illisibles complètement. Oui. C'est-à-dire que l'un et l'autre disent c'est ma stratégie qui l'emporte. Alors c'est vrai, Florence a raison. On lui a rien demandé au sujet des cantines scolaires. Il s'est essayé de régler un problème qui ne se pose pas. Le voilà à l'université. Alors la question a pu se poser dans certaines universités de manière très, très isolée, mais globalement, il n'y a pas de difficulté. Donc la stratégie affichée de ce côté-là, c'est en effet, encore une fois, de faire comme en 2007, c'est-à-dire d'aller essayer de siphonner les voix du Front National, parce qu'on sait bien que le Front National, si populaire soit-il, n'est pas jugé par les Français comme étant apte à gouverner. Bon, donc autant siphonner l'électorat de ce point de vue-là. Et puis de l'autre, oui, la ligne Juppé, moi qui me semble nettement plus rationnelle, mais la rationalité en politique, je ne sais pas si ça conduit à la victoire. Cette ligne Juppé, elle se trouve en effet confortée par le fait que aujourd'hui, il n'y a pas de victoire possible au regard du tripartisme électoral qui s'installe. Et on a un bipartisme institutionnel, mais un tripartisme politique. Je crois que nul ne peut gagner seul. Et l'UMP seul ne pourra pas gagner. Comme le PS tout seul. Comme le PS. Oui, Jean-Charles, pardon. Je suis très étonné parce qu'avec vos propos à tous les deux, ça renforce, vous ne le faites pas exprès, j'imagine, peu à peu le Front National est de façon incroyable. C'est-à-dire que dès que quelqu'un s'intéresse aux problèmes posés par l'islamisme, tout de suite, c'est « Ah, il va siphonner les voix de l'extrême droite ». Si jamais, si, on peut rêver, mais si le Parti Socialiste, si l'UMP et si le Centre dont parlait Jean-Luc, de temps en temps, osaient dire « Oui, il y a un problème avec l'islam, oui, il y a un problème de voile dans les facultés », plutôt que de dire que ça n'existe pas. Je viens de passer, il y avait encore des femmes voilées qui sortaient de l'université, là, à l'instant, 10 minutes avant l'émission. Ça existe. Alors le Centre, tous les partis bien confortables, un peu bobos, mais non, ça n'existe pas, ne stigmatisons pas, n'ayons pas peur, etc. Et pendant ce temps-là, le Front National, mais se rengorge, fait le plein de voix, parce que c'est le seul parti qui a dit, effectivement, je paraphrase Fabius, qui apporte les mauvaises réponses, mais là-dessus, il pose des vraies questions. Les Français sont interpellés par ça. Le problème du port est une vraie question dans les cantines. Mais plutôt que de dire à chaque fois, dans les cantines, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème dans les cantines. Quand on prend l'avion sur la France et que sur le plateau repas, il y a un petit papier en disant, rassurez-vous, ce plateau ne contient pas de porc, il y a un problème. Moi, j'ai un problème. Je ne veux pas prendre l'avion de la compagnie nationale et qu'on me force et qu'on me précise, je suis en France, je ne suis pas sur Air Algérie, je veux pouvoir manger du porc, si j'ai envie de manger du porc. On n'a pas à me le préciser. C'est oui, un scandale absolu. Enfin, là où il y a une ambiguïté dans ce qu'il disait, c'est que tous les repas de substitution, le problème du porc, ce n'est pas qu'un problème d'islam. C'est aussi des gamins qui sont végétariens, c'est aussi des gamins qui ont... Mais si, mais bien sûr que si, au départ, on ne parle pas d'un problème halal. Mais ce n'est pas qu'un problème. Et donc, cette espèce d'assimilation, donc, quand il dit qu'il faut arrêter de manger du porc, il est en train de stigmatiser une population sans le dire. C'est pas lui qui dit qu'il faut arrêter de manger du porc. C'est Sarkozy qui l'a quand même... Non, non, non. Il veut l'imposer. Oui, il veut manger du porc. Au contraire. Mais se trouve que... Continue à mettre le truc sous le tapis et puis on verra en 2017. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Le problème n'est pas mis sous le tapis. Et Jean-Charles, je te conseille, tu l'as sûrement déjà lu, le bouquin de mon ami Laurent Bouvet qui s'appelle L'insécurité culturelle, justement, avec lequel je suis totalement en accord, dans lequel il démontre que, mieux que je ne pourrais le faire, qu'en effet, à trop vouloir mettre sous le tapis les vrais problèmes, c'est ce qui fait monter le Front National. Mais j'ai pas l'impression, justement, qu'on les met sous le tapis. En clair que parfois il y a des difficultés, mais il ne faut pas non plus créer des difficultés là où elles n'existent pas, ou pas encore, ou pas au point qu'on doit stigmatiser les uns ou les autres, ou les uns contre les autres. C'est uniquement ça. C'est un jeu politique, un jeu politicien maladroit, puisque l'original est toujours préféré à la copie, et on l'a vu en 2012. Bon.
Bon, donc là, de ce point de vue-là, moi, je Alors, est-ce qu'il y a des filles voilées à l'université? Oui, moi, j'enseigne depuis une vingtaine d'années. J'ai dû en avoir dans mes amphithéâtres deux. Alors, voilée avec un foulard, pas avec. Pas évidemment. Oui, bon, bien, oui, ce qui est interdit, pour le coup. Alors. Moi, oui, est-ce que ça me choque? J'entre même pas dans ce débat. Quand j'étais doyen de la fac, on est plusieurs fois, alors certaines étudiantes, ou certains mêmes étudiants, parfois sont venus me voir en disant on veut changer de groupe parce que la chargée de TD est une fille, et moi, en tant que pratiquant, je ne peux pas la regarder en face. Ma réponse, ça a été non. Et puis l'étudiant, il est parti. Et puis je ne sais pas où il est. Et puis c'est son problème. Voilà. Donc on oui, peut parce résoudre. Que là, ça attaque à la laïcité, là, pour le coup. Bien sûr. Mais j'ai aussi des étudiants juifs qui sont venus me dire pas de contrôle, pas de contrôle le vendredi. Ouais, ça arrive et j'ai eu des étudiants qui voulaient partir en pèlerinage, etc. Alors, c'est aujourd'hui. Assez fréquent. Donc, est-ce que vous pourriez décaler les examens? Non. Bon, donc, ce style de problème, on peut les résoudre, mais sans nécessairement monter les uns contre les autres, les gens les uns contre les autres. Et le reproche que je fais, justement, c'est d'essayer de créer des difficultés et des clivages là où, justement, le principe de laïcité bien compris permettrait de les aplanir. Mais c'est à condition que la laïcité soit respectée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on va dans les territoires français, croyez-moi, les Français de la base, eux, ils disent « c'est pas respecté ». Donc, ils cherchent une autre voie. Et la grande problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que les deux grands partis traditionnels français n'ont pas de réponse. En tout cas, n'ont pas eu les réponses adaptées à la situation. Et les Français, une grande partie d'entre eux, en tout cas, ont rejeté cela et finalement cherchent une autre voie. Et comme on ne leur a pas proposé d'autre voie viable que celle du Front National, ils vont vers le Front National. C'est dommage, mais ce n'est que la conséquence de l'aveuglement des partis traditionnels. Oui, mais est-ce que le problème, c'est de savoir si la vigilance consiste à voir des problèmes partout. Il n'y en a probablement pas à ce niveau partout, mais en tout cas, il y a dans le quotidien d'un grand nombre de nos compatriotes, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, des choses qui aujourd'hui les heurtent, et il serait vraiment imprudent de ne pas les voir en face. Vincent, vous êtes confronté à ça avec les étudiants, avec les autres étudiants? C'est une question. Dans l'école, non. Non. Non, sincèrement, dans l'école. Mais la question que je me pose, c'est que pensent les autres enseignants à l'université sur la question du voile? Je pense que c'est à peu près la même chose. L'université, ce n'est pas le lycée. Oui. Et en cela, la loi de 2004 ne s'applique pas. Distinguer les deux. Il faut distinguer, puisque les étudiants ne sont pas de simples usagers d'un service public. Depuis le XIe siècle, les étudiants, alors ce ne sont pas que des mots, parce qu'il y a des incidences concrètes et juridiques dans tout cela. Les étudiants forment avec les maîtres une communauté, la communauté universitaire. L'université de Bologne, la plus ancienne du monde occidental, a été créée par les étudiants eux-mêmes. Donc, l'étudiant n'est pas un simple usager, on s'adresse à des adultes. C'est des adultes, c'est souvent des gens des majeurs, en plus. Ce sont des majeurs, souvent. Des adultes auxquels on essaie, nous, d'inculquer un minimum de sens critique, ça n'est pas simple. On essaie d'inculquer une forme d'apprentissage de la liberté. Je suis convaincu qu'être libre, ça s'apprend. Voilà, il y a un principe de responsabilité et d'autonomisation qui conduit à ce qu'on ne puisse pas regarder nos étudiants comme étant des lycéens ou des collégiens. Eux-mêmes, d'ailleurs, se disent « oui, il y a les élèves ». Moi, je les reprends toujours. Vous n'êtes pas des élèves, vous êtes des étudiants. C'est vrai. Puisqu'on était sur la question de la droite, un mot. On va revenir sur l'élection des présidents, et notamment de Pierre Bettier dans les Yvelines. Le conseil départemental des Yvelines est... c'est le grand chelem pour la droite. Enfin, tous les élus sont de droite. On a entendu des gens de gauche qui disent « mais c'est pas démocratique d'avoir que des élus d'un même, qui sont de même côté ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les gens de gauche qui ont fait le mode d'emploi de l'électorat et de l'élection départementale. Ils ont fait le découpage. On peut pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution alternative. On peut pas être déservé par soi-même. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose pour la démocratie régionale? Parce que finalement, nous sommes dans un pays dans lequel il y a plusieurs strates de gouvernance. Il y a les communes, les départements, les régions et l'État. Bon, maintenant, rendez-vous dans les régionales où le mode de scrutin est différent de celui des départementales. Mais comme le dit Jean-Charles, c'est la gauche qui a fait la règle du jeu sur les départementales. Il faut qu'ils viennent pleurer maintenant. Par contre, visiblement, la forme
prise par les élections au régional est un peu différente, puisqu'il y a un mixte à la fois de scrutin majoritaire et de proportionnel. Rendez-vous régional, parce qu'en réalité, quand même, ne nous volons pas la face. Moi, je suis vent debout depuis des années sur les strates administratives avec la folie française. Je crois qu'on doit être les deux seuls dans le monde, avec la Corée du Nord, à avoir une telle pléthore de fonctionnaires dans tous les sens. Il y a un élu pour ça. Il y a un démenti, pardon. Non, il ne peut pas me démentir, Stéphane. J'ai un chiffre, Stéphane. Il y a un élu en France pour 104 habitants. La belle affaire. Non, mais c'est beaucoup. C'est 7 millions de gens qui travaillent dans ce pays pour la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Ça, c'est autre chose. C'est la conséquence de stratégie. Donc, le fonctionnaire des élus inadapté. Inadapté. Donc, voilà. Non, mais comme il fait la grévance, pardon, juste un rectificatif. Je comprends. Non, c'est pas possible. On peut pas. Ne mélangeons pas. On parle d'un côté des agents publics. Très bien. Alors, fonctionnaires, les trois fonctions publiques, État, collectivité territoriale, hospitalière, c'est 5 millions de personnes. L'éducation nationale, C'est État. Et toutes les structures dépendent de l'État ou des départements. Mais les élus, ça, c'est autre chose. Vous avez 520 000 élus en France. Alors, si on rapporte ça au nombre d'habitants, c'est énorme. Mais sur ces 520 000 élus, il y en a une infime minorité qui reçoivent des indemnités, puisque ces 520 000 élus sont composés à 90% de conseillers municipaux. J'ai été conseiller municipal pendant 6 ans. Je peux vous dire que j'ai pas touché un copec et je trouve ça parfaitement normal. Bon, j'en ai même été de ma poche sur certains aspects. Donc, c'est pas les élus qui coûtent cher. Et je reprendrai une observation moi, que je trouve très pertinente, alors qui est peut-être discutable, mais qui était celle de Guy Carcassonne, professeur de droit constitutionnel décédé l'année dernière, et qui disait, au fond, ces 500 000 élus, ce n'est pas un coût, c'est une économie. C'est une économie parce que... Il faut la fonction de... Qui est-ce qu'on appelle... Alors, la France rurale, c'est 85% des communes françaises. Qui ont moins de 2000 habitants. Qu'est-ce qu'on appelle la nuit quand il y a un problème? C'est pas le garde champêtre parce que parfois il y en a pas. C'est pas le secrétaire de mairie parce qu'il vit pas là. C'est le maire ou c'est les adjoints. Et ça coûte quoi? Un maire d'une commune de moins de 1000 habitants, il reçoit 646 euros brut par mois. Alors, ça coûte moins cher que d'entretenir un agent public. Bon. Je trouve ça. Enfin. Fais attention aux discours. Oui. Non, puis c'est pas. Alors on a trop d'élus. Très bien. Alors supprimons le Sénat et puis élisons, je sais pas moi, un député. Puis comme ça coûtera pas cher. Et puis mettons un président de la République tout seul. Comme ça, il y aura moins de ministres. Et puis. Mon cher Stéphane, nous ne nous sommes pas plaints qu'il y ait trop d'élus. Nous nous sommes plaints qu'il y ait trop de strates administratives. Vous parliez de département, région. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas été montré du doigt les élus. Je montre du doigt l'organisation administrative de notre pays qui aujourd'hui marche sur la tête et on voit très bien que. C'est le point qu'on a élu des conseillers départementaux. En plus, c'est totalement inadapté. Donc on a en plus créé une strate supplémentaire avec les collectivités locales, avec les. Peut-être l'agglomération. Voilà, donc je ne montre pas les élus du doigt et je comprends parfaitement, étant élu moi-même, qu'un grand nombre d'entre eux contribuent à la gouvernance publique de façon tout à fait gratuite. Je dénonce simplement que dans ce pays, quand on additionne communes plus que telle agglomération, département, région, État, plus tout ce qu'il y a autour d'eux, les chambres consulaires, etc., on marche sur la tête, nous sommes 7 millions. Je vous rappelle quand même que dans ce pays, nous sommes 29 millions de travailleurs, dont 7 millions sont aujourd'hui voués à la collectivité publique. Je pense que nous avons là un déséquilibre qui nous coûte évidemment une fortune, et les dérives financières de l'État et notre incapacité à être aujourd'hui un pays... je dirais normalement concurrentiel en Europe, vient évidemment de là. Il va finir comme Zlatan, il va finir par dire que c'est un pays de merde. Pas du tout, moi j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour mon pays, pour ses habitantes et ses habitants. Et en renversant la table. Voilà. Le Front National, il faut en parler. Alors, on aurait été hier, par exemple, avant-hier, je vous avais dit, le Front National, c'est plutôt une victoire, etc. Donc, on aurait analysé les résultats du Front National. Là, ce qui se passe, c'est la polémique entre papa et Fifi, entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, et enfin, surtout les propos de Jean-Marie Le Pen, qui a réitéré ses propos sur les chambres à gaz détail de la Deuxième Guerre mondiale, qui dit au Front National, il y a autant de pétainistes, d'anciens pétainistes que d'anciens gaullistes, et qui théorise au fond ses propos en disant mais le Front National ne grimpe que par la provocation et non pas par la banalisation.
Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal pour le Front National? C'est la question que je vous pose. J'ai l'impression qu'il veut embêter sa fille. Moi, je ne sais pas, ça tombe pile poil à ce moment-là. Ah ben, on a l'impression, oui. C'est... Bien vu. C'est pas sûr que ça soit qu'une impression. Mais... Donc, comment ça se fait, à votre avis? Je ne sais pas. Bah, je pense qu'il se voue une haine politique, enfin, familiale, je ne sais pas, mais une haine politique. Je veux dire, elle a atteint des sommets que lui n'a jamais tutoyés. Voilà. C'est clair et net. En plus, honnêtement, je pense qu'il commence à être un peu gâteux. Franchement, c'est un peu terrible. Enfin, si le personnage n'était pas aussi antipathique, on aurait presque pitié quand il s'exprime, quand on le voit là. Bientôt, on va le déplacer sur sa chaise pour le poser devant une caméra de télévision. Il y a aussi le fait qu'il veut se présenter, je pense, à la région PACA. Voilà. Et que je ne suis pas sûr que Marine Le Pen et le conseiller de Marine Le Pen préféraient probablement Marion Maréchal Le Pen à la Je pense qu'ils ont quelques chances avec Marion Maréchal Le Pen, ils n'en ont aucune avec Jean-Marie. Ça, c'est... Sur ces propos, il y a une vision qu'on peut avoir, juste trois secondes, c'est que finalement, la marque Le Pen, elle existe. Dans cette marque, il y a évidemment deux visions et deux modes de communication. Et j'ai le sentiment, quelque part, parce que ce n'est pas nouveau le phénomène de Jean-Marie, c'est qu'on a envie de ratisser large. Et par conséquent, autant Marine a une vision un peu, je dirais, partie normale, où on essaie d'abandonner toutes ces histoires d'extrême. C'est la surface. Et en même temps, il y a le papa qui lui ratisse large, parce qu'il y a derrière... Oui, ça peut attirer des gens. Hein, quantité de gens qui disent, bon, ma Marine, elle est bien gentille, mais enfin, elle est bien trop douce, bien trop souple, bien trop mignonne, bien trop adaptée à l'idéologie politique globale. Et donc, le papa, il ratisse derrière tous ceux qui sont à la traîne. Et donc, croyez bien que c'est pas le papy gâteux. Hein, et ils ont la volonté de ratisser large, mais au même titre, d'ailleurs, que nos politiques traditionnelles. Ah, vous pensez un peu comme on disait autrefois que Pétain était le bouclier des résistants. Vous pensez qu'ils sont tous les deux d'accord, quoi. Ah, je pense. Moi, j'ai la conviction qu'ils sont tous les deux d'accord. D'accord. Bien sûr. Et au même titre, si je peux me permettre juste encore une seconde, pardon, mon cher Stéphane. Oui, parce que... Ils sont impatients, c'est normal. François Mitterrand, quand il a été élu président de la République, sur les propos dont on connaît la consistance, et surtout sur les promesses qu'il avait faites pour être élu en 81, il a quand même fait une longue partie de son mandat, une politique de droite. Jacques Chirac, quand il a été élu président de la République, a longtemps pratiqué une politique de gauche. Ça a quoi pour objet? D'essayer de ratisser le plus large possible. Bon, la famille Le Pen fait la même chose. Alors, ce qu'on disait, on est élu à droite ou à gauche, au gouvernement, c'est entre en gros. Florence? Sur Le Pen? Ah oui, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc, parce que je ne pense pas que ce soit un accord tacite entre... Je ne pense pas. Je pense que Marine Le Pen, elle a essayé de faire du nettoyage, de faire quelque chose d'un peu propre, et que son père va à tout prix exister. Bon, après, il y a un conflit, père-fille, ça, on ne va pas faire de la psychanalyse, mais... Bon, pardon. Ouais, non, c'est pas grave. Dans un mauvais vin, dans une piquette, y compris, c'est comme dans les grands vins, quand on secoue la bouteille, il y a du dépôt qui remonte. On l'a dit à l'instant, le Front National 1972, fondé par Jean-Marie Le Pen, faut voir à partir de quel agrégat le Front National a été fondé. Enfin, c'est Ordre Nouveau, notamment, vous savez, le parti avec la croix celtique, machin, néo-fasciste et compagnie. Donc il y a quand même, au fond de la bouteille, ce vieux dépôt nauséabond, alors qui donne un goût de piquette à tout ce mauvais vin, et puis qui remonte de temps en temps quand on secoue. Mais cela dit, alors voilà, poursuivi et condamné 5 fois pour les mêmes propos, il les réitère, le parquet poursuit de nouveau. J'allais dire à désespérer, enfin, c'est pas drôle, Jean-Charles a raison, ça serait drôle si lui était sympathique, mais c'est pas franchement un personnage vraiment sympathique, donc enfin, ça a un côté un peu désolant, et puis, alors, ratisser... Néfaste pour le Front National ou que, comme dit Jean-Luc, ça peut leur apporter des voix? Ratisser les voix des pétainistes, aujourd'hui, je pense pas que ce soit une opération politique extrêmement rentable. Parce qu'il a 88 ans. Alors, si les pétainistes existent encore, ils doivent être très vieux. Il y a peut-être, il y a aussi des néo-pétainistes qui mouvement un peu maurassien, l'extrême droite française, enfin, il y a toujours eu des racines assez profondes là-dedans. C'est pas énorme. Je ne pense pas que ce soit énorme. Florence, je vous avais interrompu, pardon. Non, c'est pas grave. Non, je crois qu'elle n'a absolument rien à y gagner dans cette opération-là. D'autant plus que je pense que ça doit choquer un certain nombre de nouveaux militants qui peuvent venir de gauche, de droite, et qui ne sont pas du tout antisémistes ou racistes. Et ça peut franchement plutôt les faire un effet repoussoir qu'autre chose. Quoi. Alors, pardon? Non, juste une petite chose. Ce qui est curieux, ils ont quand même un peu gagné la famille Le Pen. Enfin,
gagné dans certains côtés, parce que c'est le seul parti politique, quand on parle d'eux, on parle de Marine, de Jean-Marie, de Papy. Je veux dire, plus personne, tous les autres, à droite, à gauche, on parle le nom de famille des hommes politiques. Là, il y a une espèce de presque d'amitié, enfin, glauque, parce que c'est ah oui, Marine est sympathique ou elle n'est pas sympathique, elle est ceci, puis leur Marion, etc. On ne parle que des prénoms. Mm-hmm. On a l'impression qu'ils sont rentrés en nous, presque. Enfin, c'est une famille qu'on rejette, mais on a l'impression que ça fait partie de la famille. Je voudrais que ça ne fasse pas partie de ma famille. Oui, ça m'inquiète. Oui, une marque, une mafia. Alors, le vieux regret qu'on a des familles monarchiques, vous savez, parce qu'ils passaient le pouvoir. Ça, il y en a dans tous les partis. Oui, absolument. Un mot, je vais vous demander d'être assez rapide, parce que je voudrais aborder le deuxième sujet, mais on a pris déjà beaucoup de temps, ce qui est normal, puisque la question est lourde. Sur la gauche, alors je vais vous poser la question directement, est-ce que vous pensez que la gauche a déjà perdu les élections présidentielles? Je crois que la gauche doit boire le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire que ça lui suffit pas encore, et qu'il faut que le désastre se répète pour que les gens à gauche prennent conscience qu'il faut recomposer, que la structuration politique de la gauche aujourd'hui ne signifie plus rien. Ça signifie plus rien. Là, on voit bien qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin, il y a ceux qui disent qu'il faut se rassembler, mais pour une politique plus à gauche, ceux qui disent qu'il faut se rassembler, mais pour une politique qui est plus de l'avant, plus à droite, enfin, plus politique Macron, en gros. Donc on voit bien qu'ils... Oui, ils sont surtout totalement coupés des réalités économiques, sociales du pays. On voit bien qu'ils s'en sont éloignés année après année, et qu'après de belles promesses dont on sait bien qu'elles n'ont pas été tenues, aujourd'hui, ces gens-là sont complètement... par terre. Alors maintenant, il faut recomposer, refaire. Ils sont extrêmement divisés. Ils n'ont plus de lieu commun. Ils n'ont plus de programme commun. Et ce qui a fait le succès, on le sait bien, en 1981, de l'élection. Mais au-delà de ça, c'est ça. C'est ce que disait Stéphane Manson tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner une élection si on est tout seul. Mais donc, il faut avoir la capacité de se regrouper. Là, on a l'impression qu'ils n'ont plus... Je ne vois pas comment ils peuvent se regrouper, parce qu'ils ont des visions économiques qui sont radicalement différentes. Donc, je crois que Valls et Macron ont compris qu'il faut produire pour pouvoir ensuite partager. Sauf qu'à mon monde bourse, il faut d'abord partager, même si on ne produit rien. Donc, ils n'ont pas du tout la même vision. Et du coup, je ne vois pas comment ils peuvent se retrouver sur quelque chose de commun. Et c'est nécessairement, je ne vois pas comment ils vont faire autrement que d'exploser. D'où la folie absolue depuis les années 70 de ne pas avoir voulu d'un centre dans ce pays. Or, le centre avait pour vocation de faire des alliances d'un côté ou de l'autre. Mais ça, les institutions favorisent pas. Aujourd'hui, on voit bien que toute l'équipe Valls et tout ce qui l'entoure est plutôt de centre-gauche, et un certain nombre de partenaires de la droite, notamment l'UDI, est plutôt de centre-droit. Oui. C'est là aussi, devait se faire la troisième voie. C'est à partir de ces idées, au demeurant, quand on voit Borloo, c'est-à-dire que quelque part, on ne peut qu'admirer le bonhomme, les idées qu'il défend, la façon dont il traite aujourd'hui à la fois c'est un bon consommateur aussi. En même temps, incontestablement, nous payons aujourd'hui d'avoir à tout craint voulu casser le centre en France. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane et Florence. sur le centre, non, pas du tout. À ceci près que votre question, c'était pas du tout celle-là. C'était est-ce que la gauche est finie? Oui, mais est-ce qu'en 2017 En 2017, c'est complètement différent parce que visiblement, la gauche comme la droite ne pense qu'à une chose, c'est être face au candidat du Front National. Donc là, ça change complètement parce que l'analyse de Stéphane est tout à fait juste, de Florence, effectivement, on ne peut qu'être d'accord. Mais en 2017, on risque, en tout cas à l'heure où on parle, d'avoir un candidat démocratique et puis face au Front National. Donc là, ça change toute la donne. Donc la gauche peut s'être pris 50 gamelles d'ici là. Oui, ça ne changera rien, en fait. On a quand même l'impression qu'au Parti Socialiste, il y a beaucoup qui ont déjà fait l'impasse sur 2017 et qui souhaitent la défaite de François Hollande pour passer à autre chose et faire quelque chose d'autre en 2022, non ? Après, il y a un peu une question d'âge, parce qu'après, il faut regarder la génération du PS, et c'est vrai que quand on loupe un tour comme la présidentielle, on prend tout de suite 5 ans, voire 10 ans pour revenir en politique. Alors ces gens qui rêvent de faire de la politique, et c'est très bien, et heureusement qu'il y en a, mais du coup ils disent, si on laisse tomber 2017, on aura 70 ans, ou quel âge aura-t-on quand on va récupérer le pouvoir? Donc c'est un vrai problème, donc on lâche pas si facilement que ça une élection, je pense. Alors il y a eu l'élection des présidents de conseils départementaux, peu de femmes, je le disais tout à l'heure, on va parler. Je propose de voir, par exemple, l'élection dans les Yvelines de Pierre Bédier. A obtenu 38 voix. Il y a 4 blancs. Monsieur Bédier, félicitations.
Sans surprise, un seul candidat pour la présidence du nouveau conseil départemental, un conseil passé entièrement à droite et un seul élu, Pierre Bédier. Il retrouve ainsi son fauteuil par 38 voix et 4 bulletins blancs toutefois. L'ordre du jour, par la fixation... Dans toute élection, j'ai voté blanc. Alors vous voyez, donc il n'y en a que 3. Ça n'a aucune importance. Aucune importance, pas pour tout le monde. La doyenne de l'Assemblée, Christine Boutin, y voit la marque d'une liberté indispensable au sein d'une Assemblée unicolore. Dans une Assemblée unicolore comme la nôtre, il est indispensable que nous ayons la liberté. La liberté de voter en conscience. Parce que sinon, ça risque de donner une image très autoritaire, très dictatoriale de notre Assemblée. Vous savez, les hommes et les femmes politiques ont très souvent tendance à se mettre des boulets aux pieds alors qu'on leur demande d'être libres. Alors, eh bien, chacun a voté en toute liberté et le président est très bien élu. Très bien élu et bien entouré. Pierre Bédier disposera de 12 vice-présidents et de 29 membres dans la commission permanente. Une nouvelle façon aussi de travailler dans une assemblée renouvelée à 60% et qui marque l'entrée de nombreux élus de notre secteur. Joséphine Colmas-Berger devient quatrième vice-présidente. Le président choisit effectivement. Moi, c'est une demande que j'avais faite d'être dans la culture. Je n'avais pas demandé particulièrement, je dirais, une vice-présidence. Je crois que le fait que nous arrivions au niveau des femmes dans cette parité fait aussi, je suis obligée de le dire, nous donne ces opportunités-là. Donc je suis très, très fière, très heureuse. Après cette première séance, les élus ont siégé en commission. Ils auront peu de temps pour prendre leur marque. La prochaine séance est le 12 avril pour le débat d'orientation budgétaire. Le cap a d'ores et déjà été fixé par le nouveau président. La solidarité, parce que c'est notre mission première, mais la solidarité sociale doit être conjuguée avec la solidarité territoriale. Et aussi le combat à mener dans la constitution du Grand Paris, un danger selon lui pour la grande couronne parisienne. On est au combat, c'est un combat pacifique, mais c'est la nécessité vraiment de peser dans tous les débats tout de suite, et cette Assemblée se mobilise pour cela. Un autre moment attend la nouvelle Assemblée, ce sera le vote du budget le 17 avril. Voilà, une élection donc, qui ne posait aucun problème. Il n'y a pas eu d'ailleurs de problème dans les élections de président de département, je crois. Il y a eu la question de l'Essonne avec Georges Tron qui finalement ne s'est pas présenté alors qu'il avait mené la campagne électorale. On l'a dit au départ, il y a quoi, à peu près 10% hein, de femmes présidentes des départements contre 50% de candidats, ce qui n'est pas beaucoup. Jean-Luc, je m'adresse à vous parce qu'il y a eu cette semaine un premier pas dans le conflit qui oppose les hôteliers, les restaurateurs à Booking.com et la commission de la concurrence a été saisie. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ce conflit ? Alors, la commission de la concurrence, pour l'instant, n'a pas dit grand-chose et Booking.com continue d'exister. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres pour essayer d'éclairer un peu le débat. Booking.com, qui est un des sites internet de réservation, il y en a d'autres, Expedia, Hotel.com, qui sont les plus connus, c'est 750 000 réservations de chambres d'hôtel par jour. Par jour ? Dans le monde ? Dans le monde. D'accord, ça vous donne une idée quand même. Booking.com, c'est quoi ? C'est finalement une entreprise qui a été créée grâce à de nouvelles technologies dans le domaine numérique qui permet, avec des algorithmes, de pouvoir maîtriser une grande partie du marché des réservations d'hôtels dans le monde entier. Ces algorithmes et l'ensemble de la technologie extrêmement complexe, aujourd'hui, est basé aux États-Unis et les Américains se sont bien gardés d'exporter leur savoir-faire dans ce domaine. Alors, c'est quoi Booking.com ou Hotel.com ou Expedia pour le domaine de l'hôtellerie ? Mais on pourrait également parler des domaines de la restauration avec La Fourchette et TripAdvisor, ou on pourrait parler des domaines du transport des personnes avec Uber, blabla.com, etc. J'en passe. C'est quoi ? C'est en réalité l'émergence d'une nouvelle organisation du commerce. On appelle ça d'ailleurs le e-commerce. C'est quoi l'implication qu'il peut y avoir derrière pour des opérateurs de services comme nous sommes nous, hôteliers, restaurateurs, c'est que un produit qui vaut 100, la plateforme internet vous dit nous allons le mettre en marché, mais on va le mettre en marché à 70 parce qu'on considère que si vous voulez notre aide, il faut que vous fassiez des prix. D'accord ? Donc ça va de 30 à 50%, ce qui est déjà considérable pour n'importe quel opérateur, quelle que soit la nature de son commerce. Par-dessus cela, non seulement on vous pousse à vendre un produit qui vaut 170, mais par-dessus le marché, on vous prend en moyenne 20% de commission sur le produit en question, ce qui veut dire que sur 70, le calcul est simple, ça fait 14. D'accord ? Donc un produit qui est affiché 100,
L'opérateur prend 56. Il laisse 44, une grande partie dans le domaine discount et une grande partie dans le domaine de la commission. Vous imaginez bien que n'importe quel commerçant normalement constitué, quand il a un produit qu'il a affiché 100 et que ne lui rapporte plus que 56, ça a des conséquences directes sur un certain nombre de problématiques d'entreprise, de gestion. Et bien entendu, ça a un impact direct sur la nature du personnel, à la fois le recrutement, mais aussi son niveau de rémunération, sur les investissements, sur le développement. Bref, ça a un impact terriblement important. Et ça s'est fait de façon extrêmement rapide sur l'ensemble des services. Et pourquoi, alors les hôteliers, les restaurateurs ont parce qu'ils n'ont accepté. Pas vu venir. Non seulement ils n'ont pas vu venir, mais je dirais que globalement, les corps intermédiaires auxquels vous savez que je suis extrêmement attaché, ça veut dire les organisations professionnelles, n'ont pas vu venir le coup. Les hôteliers qui, pour une grande partie d'entre eux, se sont dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que parce que ça a rempli les si hôtels, ça permet quand même, de promouvoir nos nuités vous sur dites, les lundis, mardis, où c'est pas terriblement occupé. J'ai une affaire moindre, mais ça remplit beaucoup. Voilà, donc pendant un certain temps, nous avons accepté, les uns les autres, de jouer ce jeu-là. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était un jeu de dupes. Parce que précisément, et c'est la raison pour laquelle nous avons alerté l'autorité de la concurrence grâce aux organisations professionnelles dans lesquelles, vous le savez, je suis l'un des représentants, nous avons dit « Stop, c'est un massacre !» Donc il faut absolument que nous remettions à jour. Et vous attendez quoi ? Nous attendons simplement que les opérateurs Internet remettent de l'équilibre dans la mise en marché de nos produits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, si nous considérons que nous pouvons reprendre la main sur les prix que nous pratiquons sur nos produits, eh bien les opérateurs Internet peuvent nous aider, mais pour autant ne pas nous remplacer. Même, hein. Or, aujourd'hui, il se trouve que Booking.com, qui est le premier opérateur dans ce domaine, a pris la main non seulement sur les prix, mais également sur les plannings de réservation dans un grand nombre d'établissements, mais aussi sur les marques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous appelez l'hôtel de la gare à Telgruc-sur-Mer, si vous cherchez un hôtel à Telgruc-sur-Mer, vous arrivez à l'hôtel de la gare d'abord par Booking. Oui, ça veut dire premier. Quoi ? Ça veut dire que grâce à une mécanique absolument extraordinaire. Ouais. Les progrès dans ce domaine ont été vraiment spectaculaires et on n'a rien vu venir. Eh bien, ils achètent le nom de votre hôtel. Et donc, vous n'avez plus la main ni sur votre marque, ni sur votre planning, ni sur vos prix. Vous imaginez à quel niveau de dangerosité nous sommes arrivés. Donc, on a demandé à l'autorité de concurrence de travailler sur le sujet. Honnêtement, ils n'y ont pas assez travaillé. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce que, cela dit, tout ça est vraiment intéressant et très bien expliqué. Mais ce qui intéresse l'internaute et le consommateur, le consommateur, c'est de payer moins cher. Mais c'est surtout ce qui l'attire, c'est la différence entre l'offre et le prix, entre le prix réel, la proposition, et ce qu'il va payer. Donc j'imagine qu'il y a sûrement des restaurateurs dont tu n'es pas un peu filou, qui se sont dit, de toute façon, on va proposer un menu à 150, de toute façon, on aura une réduction de 60% sur le machin, et on va vendre 60 euros, ce qui, de toute façon, nous... Donc je pense que... Vincent, vous utilisez, par exemple, ce genre de plateforme ? J'utilise surtout Uber, comme on en parlait tout à l'heure. Oui, mais c'est un peu la même chose... C'est un peu... les taxis... C'est pas ce qui est réservation restaurant. C'est vrai qu'on parle d'ubérisation de la société. Ce qui est le brave homme qui a sa voiture et qui finalement loue son service et son véhicule à destination du consommateur, du client, qui va du coup payer la course 30 ou 40% moins cher. A-t-il acheté une licence ? Non. Paye-t-il une taxe ? C'est pour ça que les taxis sont curieux. A-t-il l'obligation de faire des courses ? Mais je comprends que ce soit très pratique. Mais à un moment donné, et c'est là justement que nous demandons à l'administration, ils sont tellement nombreux, ils vont quand même pouvoir réfléchir, de regarder le problème avec intérêt, qu'on ne peut pas laisser perdurer des systèmes qui sont en train de mettre par terre des pans entiers de notre économie, et pas seulement en France. On peut mettre par terre le pan entier des taxis, je veux dire, la France s'en relèvera très bien, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci. Je ne me sens pas le droit d'aller stigmatiser les taxis. Mais je me sens le droit de dire qu'effectivement, les taxis qui, eux, ont vu le coup venir depuis longtemps, auraient dû depuis longtemps s'adapter, ce qu'ils n'ont pas fait. Bon, donc aujourd'hui, moi qui suis... vous l'avez certainement noté, impliqué dans le syndicalisme patronal, j'essaye évidemment de lutter pour avoir un bon équilibre. Oui, bien entendu que les taxis doivent se remettre en question, mais en même temps, on ne peut pas laisser... Sur ce phénomène, pardon, tout le monde parle. Florence ?
Booking, enfin moi je trouve ça très commode. Donc, mais je comprends très bien ce que dit Jean-Luc et qu'il y a probablement un peu. Là où il a raison, moi j'aime pas trop passer par Booking, mais c'est difficile parce que le premier chose sur laquelle vous trouvez, c'est Booking. Si vous cherchez hôtel à Nice, ouais. Bon, on tombe sur Booking qui est en premier. Maintenant sur le problème de Uber qui est un peu différent de Booking. Si un peu parce que Booking, je ne sais pas si on peut dire que Booking prend la place. Oui, Booking complètement du restaurateur parce que c'est pas eux. Voilà, ils n'ont pas l'hôtel, ils ne reçoivent pas les clients. Sur les hôteliers, voilà. Les hôteliers, c'est quand même un peu différent. Uber, ce sont des gens qui font le métier à la place des taxis sans avoir effectivement payé de licence, etc. Moi, je suis d'accord pour dire que les chauffeurs de taxi doivent se remettre en question aussi. Il faut qu'ils se modernisent, il faut s'adapter un peu à l'évolution de notre temps. Et les chauffeurs de taxi, Dieu sait si on peut râler sur Paris parce qu'il n'y en a pas assez, etc. Et si Uber a trouvé forcément Uber ou Hitch aussi, parce que c'est aussi une autre application. Oui, il y avait un vide qu'ils ont rempli. Ils ont rempli un vide, un besoin, parce que chercher un taxi à Paris le soir ou la nuit, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même un peu différent. Juste pour finir là-dessus, la problématique d'Uber et de Hitch, c'est qu'on n'est pas certain qu'ils soient assurés. Et ça, c'est un vrai problème. Et sur Hitch, souvent, ils disent, si jamais on est contrôlé ou qu'il y a un accident, vous dites qu'on est amis. Ah oui. Ouais, donc, ce qui prouve qu'on est quand même un peu moyen sur le système. Ouais. Ouais, puisqu'on parlait des corps intermédiaires, le corps intermédiaire auquel j'appartiens avec fierté, au-delà de la fonction publique de l'État, c'est l'université. Mmh. L'université, alors je n'ose pas vous dire qu'on est touché, mais parce qu'on est aussi acteur, il y a le phénomène des MOOCs. Des massives open Internet, online courses, c'est-à-dire des cours massifs ouverts en ligne. Alors, on ne jure que par cela. Le ministère a lancé une plateforme qui s'appelle, j'ai oublié le nom d'ailleurs, il y a à peu près 300 000, 400 000 abonnés à cette plateforme-là. Ça suscite de très lourdes questions aussi sur nos méthodes d'enseignement. Mais il y a en tout cas une conclusion très provisoire, parce que le système évolue, c'est que il est très difficile d'autonomiser on appelle ça un apprenant, seul devant son écran. De son ordinateur, et ça, on sait que ça marche pas. On sait que ça marche pour ceux qui ont déjà une étoffe assez importante, mais on sait que c'est assez largement pipeau, tout cela. À condition, alors si on veut que ça marche, il faut y mettre des moyens qui sont très très lourds. Jean-Charles, parce qu'on n'est pas sur le phénomène de la gratuité, mais c'est quand même sur le phénomène de la baisse des prix. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie absolument. C'est qu'on est en train d'instiller dans la tête des gens que tout doit être gratuit, que plus rien ne doit se payer. Les livres, le cinéma, la dernière avanie culturelle, c'est des cinémas qui proposent qu'on s'en aille dans le premier quart d'heure. Si on s'en va, le film, film n'est pas bien, on se fait rembourser son ticket. Mais c'est une aberration. C'est une déresponsabilisation. C'est un scandale absolu. On est au comble du ridicule. Les choses doivent se payer. L'université a un coût relativement minime, mais c'est quasi gratuit. Voilà. Non, c'est ce que j'allais dire. C'est 180 euros pour une prestation qui coûte à la collectivité 6 000 euros. Non, c'était pas du tout une attaque. Au contraire. Non, mais c'est très bien, mais parce qu'il y a l'État derrière. Mais sinon, qu'après, toutes les choses doivent se payer. On doit payer quand on va au restaurant, on doit payer quand on va à l'hôtel, on doit payer si on prend une voiture, et on n'arrête pas de faire croire que tout est gratuit. C'est venu, à mon avis, avec le téléphone portable, on a équipé tous nos enfants et tous équipés, et avec la télévision, l'offre triple play, c'est débité sur votre compte en banque, plus personne ne sait ce que c'est que cette somme qui vous est prise seulement. On a une impression de gratuité qui est fausse. Mais du coup, on se dit, tout ça est gratuit, alors le reste va l'être aussi. Mais... J'en reviens, à cette ubérisation, ce booking.com. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce qu'il faudra faire avec? Ou est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce qu'il faut lutter contre ça? Alors oui, on peut lutter contre ça. Je vais vous dire pourquoi. Très vite, parce qu'il nous reste une minute. Bien entendu. Booking.com, c'est 5 milliards de dollars de revenus par an. Il n'y a pas un dollar qui revient à l'État français. Donc à un moment donné, il faut quand même mettre des barrières et dire, OK, ce problème existe. Il va falloir lutter sur deux points. Le premier, être moins gourmand de commissions. Permettre aux hôteliers de vendre au prix normal leur chambre d'hôtel ou restaurateur, de vendre au prix normal leur couvert. Et les marges faites par ces opérateurs, une partie au moins doit revenir, évidemment, pour le développement des établissements pour lesquels ils dépensent autant d'énergie. Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça. Est-ce que les hôteliers ne pourraient pas se mettre d'accord pour dire... Précisément, j'ai apporté là un certain nombre de documents. Redigma, qui est une boîte d'Île-de-France, Expalis, qui est une boîte d'Île-de-France, Fairbooking, qui est une boîte française, lutte d'ores et déjà, et
pour faire Booking depuis quasiment 3 ans, pour essayer de se substituer à ces plateformes. Sauf que, malheureusement, là, les pouvoirs publics qui ont la main sur le sujet en France ne mettent pas les moyens nécessaires. Si je vous disais le budget alloué par la région Île-de-France sur le développement de la technologie numérique, c'est juste à pleurer de honte. Donc il est grand temps que nous nous occupions de ces sujets. C'est marrant, Jean-Luc, il y a des moments où il veut plus de règles, et puis là, il veut plus de règles. Il est bien français, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas de la règle. C'est de l'aide. C'est de l'aide. Contradiction à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Achète des actions booking.com. C'est fini sur ce sujet. Ben, je vous remercie tous les cinq. Puis j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau PAF. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci. Ça a été... C'était très bien. Bon, bah tant mieux. Merci infiniment.